Salut tous à toutes, nous sommes ici avec le capitaine Diabète dans la ville la Oh, j'ai nuit. déjà la gueule de bois du lendemain ce soir. Ok, nous sommes avec, donc sur South Park, l'annale du destin avec Ranulf, avec Captain Diabète. Bon, je me répète, mais bon. Burnham County assure le meilleur groupe du monde. Il pourrait m'avoir. Ok. Ma fureur du diabète fera l'affaire. Hein? Oh la vache, je la sens monter! Tout ce sucre! Ah ouais, quand même! Et c'est dégueulasse! Oh, c'est trop! J'ai besoin d'insuline! J'ai besoin d'insuline, vite! Gars! Et voilà de retour à la normale! Tu comprends maintenant comment j'ai appris à maîtriser mon diabète? Fais-moi par ici! J'avoue. On y est. Ah ouais. Il y a certainement des individus louches et des tas de nuits-bars à l'intérieur. Ah ouais, allez, ça. Il faut entrer. Hey, dis pas là, les moutards, faut avoir 21 ans. Écarte-toi, citoyen. C'est moi, Capitaine Diabète. Je dois m'adresser aux demoiselles à l'intérieur. Tire-toi de là avant que je te jette dehors. Que faire? Les mômes, c'est les dévertir, oui. Bon, forcément la sortie. Notre chemin ou quoi? Il doit y avoir un autre chemin quelque part. Ah, ça brille là. Beau travail de détective, acolyte. Il ne reste qu'à trouver le moyen de monter. Bien sûr. Écarte-toi, acolyte. D'accord. Après toi. C'est la chose que tu fais pour ta vie là. Combien de temps j'ai pas vu? Ah, 3. Je me suis planté au début. Le mec il s'est pas visé, hein. Et puis c'est complètement à côté. Hein. Voilà, ça c'est vite, c'est bien fait. Ouah, et t'as des composants là-dedans. Tu peux bricoler tout plein de trucs avec ces composants. Bon, on a réussi à entrer dans le cap de trou. Pourquoi? Il a changé de voix. C'est choquant. Reviens quand t'auras 21 ans, je te laisserai lécher mes implants. Ouais, bien sûr, dommage. J'aime bien les petites. Toi, tu prends celle avec le défaut de prononciation. Allez, allons nous offrir quelques dérangés. Je me disais qu'on pourrait entrer et discuter un peu. Ouais, d'abord, on veut du spectacle et après, on cause. Non. Alors, messieurs, ça vous est déjà arrivé d'inviter une fille avec un tatouage de pénis? Eh, hey, on n'est pas venu là pour causer, poulet. Ouais, pas question de parler avant que t'aies fini de te frotter.
Non, 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 non. Ok. Ah bah ça. Ah d'accord, je suis fan du début. Oh là 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 là. Ah mon dieu. C'est gênant. C'est gênant. C'est gênant. C'est la gênance totale. Oh putain, c'est gênant, c'est chiant en plus. Non, non, arrête, discutons, plutôt discutons. C'est l'heure de taper la discute. Taper la discute? Oh non. Alors, vous faites quoi comme boulot, les mecs? Et vous avez déjà invité une fille qui a un tatouage de pénis? Pourquoi t'arrêtes pas de parler d'une stripteaseuse avec un tatouage de pénis? Ouais, ouais, Classy, c'est son nom. Elle s'appelle Classy? Ouais, Classy avec une petite bite suspendue au C pour faire un joli CUL. Mais bien sûr, d'où le tatouage? Ou bien son nom, le nouveau? Ok. Ce que tu racontes, c'est le VIP le plus nul que j'ai jamais vu. Tout ce que j'ai fait, c'est me faire péter dessus. Toi, tu vas nulle part. Ah, je ne suis pas une stripteaseuse ordinaire. Je suis Capitaine Gabelle. Quoi? Mon acolyte et moi, on s'est servi de notre pouvoir de camouflage pour vous soutirer des informations. T'en tireras pas comme ça, Capitaine Gabelle. Ok, carton contre les bourrés. Merde, il y a deux heures avec cette trique. Tout ce que j'ai fait, c'est me faire péter dessus. Ah, vous, t'as kiffé. Oh, je vais appeler la répression des fraudes et leur dire que tu m'as filé qu'une demi-molle. Oh. Ah. Ouais, 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 la violence. Qui l'autre, ce vilain? Je veux aller dans un de ces pays communistes où on peut avoir des trucs subventionnés par l'État. Danser? Quelqu'un veut danser? C'est flippant sur ce qu'il y a derrière le rideau. C'est la dernière fois que je paye pour une stripteaseuse premium à 20 dollars. C'est des enterrements. Ah, les vampires ne sont pas de taille contre nous. Ah bah ça, on les défonce, ouais. Superfiler la trique par une fille qui avait aussi la trique. Oh, ça a dû faire mal. Rendez-vous, super remueuse. Expédion de combat, acolyte. Classé ne peut pas attendre. Ouais. On pourrait peut-être être copains quand tu sortiras de la. Ah, ça se casse. Allez, acolyte, écrase-les. Trop de tu fais des victimes. Avant la récession, on pouvait avoir une clique et une couche de bière pour 2,80. Oh non, acolyte, j'aurais jamais dû t'obliger à danser. Si vous avez des réclamations à propos de vos danses, on peut fermer le typo, messieurs, voyez le directeur. Adieu. Vous avez eu votre danse, vieux dégueulasse, on ne rembourse pas. Ah, c'est la violence là, tu veux dégueulasse, là t'es gentil, hein, putain, ils sont bourrés à des quatre pattes aussi. Maintenant, regagnons le niveau principal. Ok les gars, j'espère que vous passez une bonne soirée. N'oubliez pas le pourboire aux serveuses et pensez aussi à payer un verre au DJ. Maintenant, on accueille chaleureusement sur scène un petit bout de paradis, voici la délicieuse Esmeralda. C'est ça, le DJ appelle les filles, puis elles arrivent directement dès lors. Les nouveaux, j'ai besoin que tu trouves un moyen de distraire ce DJ. Je sais, le gin tonic, ça fait toujours ronfler ma mère. Si on réussit à en faire un super corset, il va tomber dans les pommes. Va préparer ça, acolyte. Et hey, qui a pissé dans mon fond? Ok. La scène principale, alors applaudissements pour Destiny. Il faut quoi? Continuons à chercher.
c'est fait. Ils ont volé mon travail. Ah, c'est fermé. Alors, qui paye un... Hey, salut. Il faut quoi ensuite? Je vois pas du tout c'est quoi. Crotte de rat, foutre et crotte de nez. D'accord. Ah, ah. Ok. Est-ce que ça compte? Ah bah non. Le DJ envoie du bon son là. Ah, peut-être là-dedans du coup. Non. Hé, ça a l'air d'un truc qu'on pourrait mettre dans un verre. Waouh, ça a l'air plutôt dangereux. Waouh, wow, ça a été efficace, acolyte. Continuons à chercher. Un ajout idéal à notre préparation. Ok, donc on va essayer d'avoir là maintenant. Il y a sûrement un truc dégueu à mettre dans le verre du DJ par ici. On va faire un chemin, d'accord. De l'excellent travail, Trudy. Ok, donc on va le créer son truc. Ça me demande qu'il ne faut pas autre chose. Tu crois que c'est assez dégueu pour mettre le DJ hors service? Seigneur, oh mon Dieu, dépêche! Désolé de t'avoir infligé ça, acolyte, mais il n'y a rien que je déteste autant que l'épée. Ça réveille la race enfouie tout en fond de moi. J'aurais préféré que ce ne soit pas l'épée, mais ça va assommer le DJ assez longtemps pour qu'on trouve Classy. Pauvre DJ. Pauvre que mes filles. Je demande rien, on va boire un truc hyper dégueulasse. C'est là la chasse aussi sucrée que du pain d'épices, voilà, finalement. Belle été. Super, quelqu'un a enfin payé un verre au DJ, c'est sympa. Ça fait du bien, le DJ vous remercie. Oh, oh, c'est pas vrai, je crois qu'on a pété dans mon verre. Les gars, je reviens, n'oubliez pas le pourboire des serveuses. Bon travail. Waouh, ok, les gars, la paix dans vos marques. Pensez au pourboire de vos serveuses. Ça promet d'être saut sur la scène principale. Je vous demande d'accueillir Classy. C'est ça les mecs, en cours avant là, c'est Classy. Avec une petite bite suspendue aussi, pour faire un joli cul. Applaudissez bien fort, Classy. Hé, hey, qu'est-ce que t'as à m'appeler là? Je suis pas encore sur scène. Attends un peu, t'es pas le DJ. C'est sûrement un nouveau. 22. La Lévinique. Ah bon, bon là. Deux secondes. Je fais de la fouillage station. Fouillage, fouillage. Hé, hey, passez par là, acolyte. Oh, d'aveuglement. Mmh. Ah, c'est fermé. Ah, c'est gênant. Ils en ont après moi, les filles, stoppez-les. Ah, c'est gênant. Personne n'est autorisé à entrer ici. Ouais, allez chier. Écartez-vous, mesdemoiselles. Capitaine Diabète et son acolyte doivent interroger cette strictine. Si elle veut vous chercher, faudra d'abord vous débarrasser de nous. On vous attend de pied ferme. Ok, votre DJ vient des toilettes et il semblerait qu'on a un petit cadeau pour vous. Les deux sous. Charmante, charmante, je vais pas être méchant, mais. Calme, les filles, on est là pour Classy. Tout, 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 tout.
Oh putain, je me suis fait défoncer. Voilà notre faiseuse de fellation favorite. Applaudissez Fuchsia. Yeah. Waouh, toi, laisse-moi ma colline tranquille. Si ça, c'est pas pour le fruit pour Paris. Oulala, Paris, tout est dit. Allez, la colline. Les petites derrière sont au pouvoir du diabète. La température vient de monter, on dirait. Oh oui, voilà Esmeralda. Continue vers la sortie, acolyte. Oh non, je vais pas me laisser embarquer dans ces conneries de combat. Tu ferais mieux d'atteindre l'autre côté de la pièce aussi vite que tes petites jambes peuvent t'y conduire. J'espère que t'as des attaques rapides. Personne n'est à la hauteur devant l'acolyte. J'ai pas d'attaque rapide, mais bon. Mais vous allez les arrêter, ces putains de coeurs ? Mets-toi ça dans le fion ! Aïe ! Dans ta face, espèce de chacal ! Ok, vous m'avez vraiment vénère. Ah ouais, prends ça, petite enflure ! Y'a pas de raison que ça tourne en vilain ! Des applaudissements pour Blaze qui nous arrive de son travail de jour. On pourrait baisser la lumière? Il faut atteindre le bout du couloir. Montre-leur ce que nous valons, acolyte. Oh, là t'es allé trop loin, trésor. Fiche le camp, Glacier, on s'en occupe. Aïe. Si tu savais où je l'avais rangé. Qui veut s'en rappeler? Tiens, cadeau. Elle est capable d'écraser une passerelle contre ses cuisses, c'est Anastasia. Allez, acolyte. Personne ne peut battre Capitaine Diabète et son fidèle acolyte. Attention, mesdames. Ok, les gars, retenez bien le nom de cette fille, parce qu'elle va vous trouer le cul. Voici Rhonda. Continue à avancer vers la fille. Fais-en de la purée, acolyte. Petit enfoiré de ta mère la pute, je vais te tuer. Oh, les mots là-haut. Désolé, mon cœur. Putain de merde, il respire encore. Attention à notre prochaine danseuse, les mecs, c'est une vraie tigresse du twerk. Saluez comme il faut, Trixie. Il faut atteindre le bout des couloirs. Hé, hey, pétasse, protège mon cul. Désolé, mesdames, mais on a une urgence. C'est tout le camp des dix. C'est parti! Et une beauté au tapis! Mais elles sont dégueulasses! On n'oublie jamais sa première triptideuse! Oh, vous allez voir, espèce d'enfoiré! Chope les bouteilles! Écoutez bien vous tous, voici la plus impressionnante des créatures, la maîtresse du sadomaso, l'incarnation de la dominatrice, c'est Spontaneous Bouteille. Hé trésor, t'es pas prêt pour Bouteille. Je vais t'écraser entre mes deux fesses. Je vais casser tous les os. Oula 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 oula. Oh putain. Oh la vache, elle va nous écraser avec son cul de camion. Ouah, quand situation en un bouteille interrompt le tour, on court pour attaquer immédiatement. Je préfère vous avertir, ce cul est fatal. Je vais m'asseoir sur toi jusqu'à ce que tes yeux te sortent de la tête. D'accord, faut que je fasse vite du coup. Oh merde, le spontaneuse bouteille va vous déglinguer les gamins. Ils avaient intérêt à dégager en vitesse. Espèce de flicaillon, vous allez finir au paradis du Death. Ça fait mal, hein. J'ai poussé le curseur du diabète sur ce coup. Ah,
Viens là, mon mignon. Tu vas prendre cher, ma grande. Oh, 1250. Spontané ou une bouteille, t'aimes la mort. Une fois encore. La branlette. C'est terminé pour toi. Laissez Classy tranquille. Tu vas y arriver, Trouduc. Pareil qu'il y a de jeunes clients qui veulent se faire casser. Eh merde, on est mort. Je préfère vous avertir, ce cul est fatal. Et va pas te branler en pensant à ça plus tard. Je vais te faire vivre une expérience VIP. On joue à domicile. Je vais perdre. Un petit bisou, trésor. Ils sont cassés les couilles. Viens là, mon mignon. Bon bah, j'ai perdu. Saleté. Elle est passée par là, acolyte. Bon, je passais, je m'ouvrais pas. Je peux pas passer. Procès, connard de flic. Bah, un flic, ouais, je suis un gamin. Je vais te faire couiner, mon poulet. C'est mon tour, là. Mais ils sont cassés les couilles. Oh non, je vais pas me laisser embarquer dans ces conneries de combat. Tu ferais mieux d'atteindre l'autre côté de la pièce aussi vite que tes petites jambes peuvent t'y conduire. Merci. Oh, il est vénère. Ah,
applaudissement pour Blaze qui nous arrive de son travail de jour. On pourrait baisser la lumière? Traverse le couloir! Personne n'est à la hauteur devant l'acolyte! Fiche de camp, Classy, on s'en occupe! Aïe! Dans ta face, espèce de chacal! Tiens, cadeau! À couvert, il pleut de la flamme! Les petites terriens face au pouvoir du diabète! Elle est capable d'écraser une passerelle contre ses cuisses, c'est Anastasia! On peut pas la laisser filer, acolyte! Fais-moi de la purée, acolyte! Et voilà, ça c'est fait. Bien le nom de cette fille parce qu'elle va vous trouer le cul, voici Rhonda! Allez, acolyte! C'était pas une bonne idée de s'en prendre à nous. Aïe! T'as intérêt à ce que ta tronche n'ait pas pourri ma manucure. Y'a pas de raison que ça tourne en vilain. Qui tu traites de vilain, petit con? Y'a plein de démons! Hé, on n'est pas là pour se faire emmerder par des gamins. Oh, vous allez voir, espèce d'enfoiré. Chope les bouteilles. Écoutez bien vous tous, voici la plus impressionnante des créatures, la maîtresse du sadomaso, l'incarnation de la dominatrice, c'est Spontaneous Bouteille. Hé trésor, t'es pas prêt pour bouteille. Je vais t'écraser entre mes deux fesses. Prenne pas, la voilà. Oh ouais, bébé. C'est Glock. Oh la vache, elle va nous écraser avec son cul de camion. Vous avertir, ce cul est fatal. Ouais! On pourrait peut-être être copains quand tu sortiras des points d'automobile. Allez, insolite, écrase-les! On oublie jamais sa première triptideuse. Recule, insolite, je vais m'en occuper. Plac! La bonne vieille pompe est une débitante! Je vais te faire vivre une expérience VIP. Il paraît qu'il y a de jeunes clients qui veulent se faire casser le cul. Chope les bouteilles. Oh merde, Spontaneous Bouteille va vous dégager les gamins. Ça servirait à dégager en vitesse. T'inquiète, c'est prévu, mec, c'est prévu. Maintenant, tu pourras tomber sur le pour te la raconter. Venez un peu ici, les gars. Ah, aïe! Je vais la retenir, acolyte! Je vais casser tous les os du corps avec mon cul, trésor. Spontaneous Bouteille sème la mort. Une fois encore. Revends de la graine, acolyte! Pas de suite! C'était clairement mérité! La branlette, c'est terminé pour toi. Emmène-toi, trésor. Hey! Vous n'avez aucune chance contre un cul de cette taille. Ça plaît, acolyte. On tape. Tu crois qu'elle se remettra? Ne répète pas au coup de côté d'Ita. Personne ne peut battre Capitaine Diabète et son fils de l'acolyte. Ils ont le truc pour trouver le champ. Et une beauté au tapis. À moi, enflure. Bouteille va te faire un câlin. Oh. Oh, j'ai de l'avance comparé à tout à l'heure. Espèce de flicaillon, j'allais finir au paradis des terres. On est vraiment désolé d'avoir dû recourir à la violence, les filles. Un petit bisou, trésor. Tiens-toi ça où je pense. Désolé mesdames, mais on a une urgence. C'est sur le camp des filles. Montez sur une. Vas-y. Ah, vous ne m'aurez jamais vivante. On peut pas la laisser filer, acolyte. Pouh, c'était serré. J'ai peur d'utiliser ce machin.
Ok. On a juste à soulever ce panneau. Écarte-toi, acolyte. Je vais invoquer la fureur du gamin. Même la fureur du diabète n'arrive pas à soulever ce panneau. Putain, j'en peux plus. Il me faut mon insuline. Bon, il me faut mon... Oh non, mon Dieu, je suis à court d'insuline. Il faut que tu m'aides, c'est plus une pomme, mais je n'ai plus d'insuline. Je vais faire un somme diabétique. Je meurs. Oh mon Dieu. Maman, maman, je meurs, pitié. S'il vous plaît. Ok, d'accord. C'est cool, j'ai une nouvelle. Ça se passe comment de l'autre côté, les gars? Tout va bien pour vous? Super. Comment tu... pas vraiment, mais bon. Tu sais ce qui rend mes paix aussi pourries? Le Tex-Mex fait maison. N'importe quel Tex-Mex maison, il faut que ce soit très spécial. Attends, on va t'en avoir peut-être un. Non. Tu sais ce qu'il te reste à faire, le nouveau. Oula. What? Ah, je suis vivant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui êtes-vous? Ah! Attends un peu. Il s'est passé quoi là? Je croyais être mort du diabète. Il y a le souvenir d'une lumière blanche, la main de Dieu tendue vers moi. Et puis quelqu'un m'a pété dans la gueule et c'est revenu. J'en ai encore l'odeur plein le nez. What? Waouh, tes pets peuvent même déplacer des objets dans le temps. Impressionnant. Maintenant, retournons voir cette stripteaseuse. Les mecs, on a localisé la meuf, mais elle s'est cloîtrée dans le restaurant italien. Il nous faut du renfort. Vous avez entendu? Les mecs, rendez-vous tous sur Google Facultini. Mais c'est quoi de suite? C'est quoi ton problème? Il y a un alcool. Bon, bah c'est ici que nous en allons laisser pour cette vidéo. Abonnez-vous, pouce si vous avez aimé. Tu peux même pas passer une journée sans scotch. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ça te fait rire, hein? Oh là là, mon Dieu.